Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui consiste à vous montrer comment faire pour voir la télé sur son ordinateur. Donc rien de plus simple, il vous faudra juste VLC et ZTV. Donc bon, VLC, vous le lancez, là, vous lancez l'installateur, vous faites oui, je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de souci. Donc, quand ça c'est fait, vous lancez en même temps ZTV pour faire deux choses à la fois, ce sera plus simple. Je vous mettrai aussi le lien de téléchargement. Il se présentera sur avec la page là. Donc vous aurez juste à télécharger et puis voilà. Donc alors là c'est ZTV. Donc vous faites suivant. Là vous mettez le français en même temps. Là vous faites suivant, suivant. Vous cochez tout, installer, voilà. Bon il le fait. Et là c'est pareil. Hop, vous créez une icône, vous faites suivant, suivant. Et voilà. Bon là ça installe. Donc il y en a un qui va un peu plus vite, je vous l'accorde. Donc là, je suis en train de tester un nouveau micro. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, vous me direz. Bon, là, juste le temps de l'installation, je vais faire une pause. Et je reprends dès que c'est la fin. Donc c'est bon, les deux sont arrivés. Donc lancer VLC, on le décoche, on s'en fout. Et exécuter ZTV, ça, vous le faites. Vous le cochez. Comme ça, ça le lancera directement. Donc, et bah... Alors, ça charge, bien sûr. Donc, oui, c'était aussi, je voulais dire que, bon, les vidéos reprennent normalement, j'ai fini mon vlog, donc voilà. Votre configuration. Donc, voilà. Donc là, vous mettez, en fait, comme ils disent, à mon avis. Donc, voilà. Qualité haute qualité, qualité moyenne. Ouais, vous laissez haute qualité. Au pire, ça changera si vous n'avez pas une bonne connexion. Parce que ça va en fonction de votre connexion. Donc si vous avez une bonne connexion, vous aurez une belle image. Et si vous avez une connexion un petit peu pourrie, bah vous aurez des images un peu moches. Mais bon. Donc voilà quoi. Alors, donc et bah, au pire, on va retourner à l'ancienne configuration, l'ancienne interface. C'est comme ça que j'avais fait la dernière fois. Donc voilà. Alors là, vous avez toutes les chaînes à peu près françaises. Canal, pas tout le temps, ça dépend. Donc vous n'aurez pas le droit au match de foot. Et oui, je suis désolé. Donc vous avez un peu tout. Vous avez des Suisses, vous avez tout. Vous avez des Belges, des Canadiens. Bon, c'est quand même un peu français. Et vous avez aussi les radios de la musique de voiture. Que vous avez en voiture. Vous avez aussi les Italiennes, les Autrichiennes. Bon, vous avez un peu de tout. Donc ça, c'est l'ancienne interface. Alors la nouvelle, bah, c'est comme ça. C'est ce que vous aurez. Moi, je préfère celle-ci principalement. Donc bah, quand vous voulez ça, bah, voilà, vous cliquez sur TF1, haute qualité pour moi. Donc après vous cliquez sur regarder. Bon j'espère pas avoir le droit d'auteur, j'espère quand même. Parce que sinon bah, ça sera embêtant, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, chargement en cours. Oui, voilà. Ça devrait arriver tout bientôt. Ah voilà, donc bon, là il y a le son, bah moi je l'ai pas parce que c'est mes écouteurs, mon casque. Et voilà, vous avez ça, vous aurez juste... je vais couper le son. Bon, ça bug un peu parce que je suis en enregistrement, mais sinon ça fonctionne très bien, j'ai essayé. Donc, puis vous vous quittez, c'est pour ça qu'il faut VLC. Oui, voilà. Donc après, bah voilà, j'espère que franchement ça vous plaira, c'est assez simple, donc il n'y a pas de soucis. Donc bah, je vous dis à la prochaine, si vous avez des questions, dites-le moi et à plus.